Good morning, allez Yiden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yehudit et Eviataramam Ben Chedva. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, compter les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Alef Mishnah Yud, En Tzolin Batsar, Batsal ou Beitza, El HaKedei Sheitzolu Mi Be'od Yom, En Nutnin Pat Latanur, Im Chashecha, Velo Chavara Al Gabe Gechalim, El HaKedei Sheikremu Panea Mi Be'od Yom, Rabbi Eliezer Omer, Kedei Sheikrom Atachton Shela. Je pense qu'on a fini avec les Mishnah de Beit Shammai et Beit Hillel. On a à présent, on continue donc, on avait expliqué que les premiers Prakim de Shabbat vont nous parler des préparatifs à Shabbat, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'après-midi, qu'est-ce qu'il faut faire, se dépêcher de faire avant l'entrée de Shabbat. Et en l'occurrence, on a une Mishnah qui nous dit En Tzolin Batsar, on ne fera pas griller de la viande, Batsal, de l'oignon ou Beitza ou un œuf, El HaKedeshi Itzolum et Beodium, et uniquement si. Il y a assez de temps pour que Kedesh Itzolumi Bodium qu'il puisse finir de griller avant Shabbat. C'est-à-dire, c'est très simple, là on a une Mishnah en fait qui est en train de nous interdire de mettre un aliment cru à l'entrée de Shabbat et de le laisser cuire pendant Shabbat pour le manger pendant Shabbat. Pour quelle raison? Shema Yechate Bagechalim. On aura l'occasion d'en reparler plus longuement dans Perek Gimel, dans Perek Kira, mais pour le moment, la Mishnah nous donne déjà une première donnée importante. On parle d'aliments qu'on est censé manger ce soir, donc on est vendredi après-midi, on est censé les manger ce soir, et puis, donc on va les mettre à, on a envie de les manger le plus frais possible, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre juste avant l'entrée de Shabbat, on les met au feu, et doucement, doucement, ils vont se cuire, et d'ici une heure et demie qu'on va s'asseoir manger, ce sera prêt. Eh bien, la Mishnah vient nous dire, ben, tu ne fais pas ça, interdit. Tu dois prévoir que l'aliment soit cuit. On va expliquer quelle quantité de cuisson, mais qu'il soit cuit suffisamment avant l'entrée de Shabbat. Pour quelle raison? De peur que, en fait, tu vas le mettre à cuire pendant Shabbat, et des fois, ça arrive, le feu, il n'est pas assez fort, et tu vas prendre machinalement, tu vas attiser le feu. Shema yechate bagechalim, de peur que tu vas attiser Shema Yechate Bagechalim, de peur qu'il va attiser, les chatot, c'est attiser, plus précisément, je crois que c'est retourner, je comprends les braises qu'on les retourne, Bagechalim, dans les braises, d'accord? Donc de peur que tu vas augmenter le feu, on t'impose de le faire cuire suffisamment avant Shabbat. C'est quoi suffisamment? Alors la Mishnah nous enseigne là le fameux principe de Ma'achal Ben Drusai. Là, c'est une notion qu'on va voir dans Perek Gimel, dans l'occasion de le voir plus longuement, la notion de Ma'achal Ben Drusai, un aliment qui est cuit comme ce que mangeait Ben Drusai. Ben Drusai, c'était un brigand de l'époque qui était tellement occupé, il avait tellement de travail qu'il était, enfin il avait peur, il était sans en fuite, je ne sais pas exactement pourquoi. En tout cas, il mangeait ses aliments, il les faisait cuire au tiers de leur cuisson. Tiers de la cuisson, ça signifie le temps requis pour avoir un aliment nettement cuit, bien cuit, vous prenez le tiers de ça, ça s'appelle Ma'achal Ben Drusai. Dès qu'il arrive au tiers de la cuisson, ça s'appelle qu'il est déjà cuit, il est déjà mangeable. Mangeable, pas agréable, mais en tout cas, ça s'appelle déjà mangeable. D'accord? Selon ce principe, la Mishnah nous dit, en fait, si tu veux me prévoir que ton aliment va cuire pendant Shabbat, eh bien, il faut qu'avant Shabbat, tu l'aies déjà cuit au minimum au tiers de cuisson. Comme ça, si au pire le feu il est trop bas, tu ne vas pas être trop stressé, tu vas le prendre et tu vas le manger, même s'il n'est pas très bien cuit. Ça ira. D'accord? Mais moins que ça, on craint que le feu il va être trop faible et tu vas avoir peur de ne pas manger, donc tu vas l'attiser. D'accord? Je continue. Non, je continue, je précise tout de suite. Aussi, le Tiferet Israël, il rapporte au nom du Shulchan Aruch, je crois. Magan Avraham, qui nous enseigne aussi qu'on ne parle que des aliments qui, de manière générale, des aliments qui sont consommés cuits. Par contre, un aliment que l'on peut consommer cru ou cuit, alors dans ce cas-là, il n'y a plus certains interdits. Par exemple, imaginez, vous avez envie de faire une compote de pommes, ou peu importe, quelque chose qui est mangeable, cru, mais vous décidez de le faire cuire, allez, ce sera plus sympa de. Donc vous le coupez en morceaux, vous le mettez dans une casserole, et vous le mettez sur le feu, sur la plaque, sur le feu, quelque chose qui peut être augmenté. Alors, dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdit, parce qu'au pire, si ça ne cuit pas, ben, tu le mangeras cru, c'est pas grave.
D'accord? On continue la Mishnah avec le même principe encore. En notnin pat la tanour im chashecha, on ne mettra pas un pain dans le four im chashecha avec la tombée de la nuit. C'est le même principe. On le mettra suffisamment avant. Velo harara al gabei gechalim. Et pas non plus. Une harara, c'est un. Il traduit, il rapporte le porte-noir Ougat Retsafim. Je ne sais pas c'est quoi une Ougat Retsafim, mais une harara dans la Gemara en général, c'est une sorte de pain, hein, Eshkuchen, en yiddish, si ça vous aide. C'est difficile qui traduit en yiddish. Concrètement, dans la Gemara, c'est une sorte de pain qu'on mettait directement sur les braises. D'accord? Comme un peu quand on fait dans les mangales, on aime bien mettre les pitotes à chauffer un peu sur les braises, ça prend un petit goût un peu de cuisson au feu de bois. Apparemment, c'est une cuisson un peu dans le style. On le mettait directement, j'imagine qu'après on devait sûrement enlever la pellicule supérieure qui était trop noire, et on mangeait le reste. D'accord? Ça a été un pain qu'on faisait comme ça. En tout cas, on veut le mettre directement sur les braises. Eh bien, tu ne le mettras pas avant Shabbat. Elle a quédé chez Grémo, Panéam et Béodium, que si suffisamment pour qu'ils vont, pour que va suffisamment pour que sa face va cuire. D'accord? La Mishnah utilise le mot chez Grémo, Panéa, c'est que ça va faire une croûte. Voilà, c'est le mot exact. Jusqu'à que la pellicule externe va faire une croûte. D'accord? Sur ça, je continue. Rabbi Eliezer, Omer, Kedeshi, Chroma, Tarton, Shela. Non, il faut que ça fasse une croûte dans sa partie inférieure. On explique un petit peu de quoi on parle. Il y a une discussion. Est-ce qu'il y a une discussion, en fait? Il y a apparemment deux avis, en fait, dans le Mishnah. Comme ça, la plupart des méfarchim expliquent. Il y avait il est Niftar récemment, Eliyahu Cohen, en face de Moussaïof à Yerushalayim, chez tous ceux qui ont connu le quartier de Moussaïof, il y a une Beit Knesset bien connue, Sfarad, à Yerushalayim Moussaïof, il y avait en face le fameux Eliyahu Cohen, pendant 40 ans, 50 ans, il faisait les pitotes que tout Yerushalayim allait acheter chez lui. C'était quoi ces pitotes? C'était, il les mettait avec les vrais fours à l'ancienne, il s'était chauffé au gaz, il rentrait sa tête, je sais pas, il rentrait sa tête dans le four avec son truc, il plaquait la... Il plaquait le pain contre la paroi du mur, la paroi du four, à l'intérieur. Et comme ça, il faisait les pitotes. Et c'est comme ça qu'on faisait les pitotes à l'ancienne. D'accord? On les plaquait contre le mur. De ce fait, il s'avère qu'on a le feu en bas, la pita, hein, et le pain, quoi, qui est plaqué contre le mur en haut. Sur ça, hein, il y a Tanakama qui me dit, tu sais, il faut que ça fasse une croûte supérieure. Ça fasse. Et Rabbi Eliezer nous dit non, 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 la partie inférieure. La Gemara, elle explique la partie inférieure, c'est en fait la partie supérieure, parce que le pain, il est en l'air, avec le feu en dessous. Quand je te dis la partie inférieure du pain, une fois que tu vas sortir le pain, en fait, c'est la face qui est en train de, qui voit, qui est collée au tanour, comme au four. Comme ce que le partenaire nous explique, elle a kédé chikor matarton, pour que ça fasse une croûte dans la partie inférieure, à medoubak la kheres à tanour, que ça fasse une croûte, celui qui est collé sur le. Sur la paroi du fourneau. D'accord? Et en fait, Rabbi Eliezer, il est plus marmire, parce que dès qu'on met le pain, alors ça lui prend du temps, ce cas, ça fait une croûte qui va, plus précisément, j'ai dit faire une croûte qui dore, elle va dorer. D'accord? Elle va devenir un peu cuite. Donc quand on colle le pain, la face qui est directement, qui voit qui a la flamme qui lui arrive dessus, elle commence à brunir beaucoup plus vite que la part, que l'autre côté. Qui est collé au fourneau, et sur ça, Rabbi Eliezer vient et te dit, tu sais, si tu veux faire un pain pareil avant Shabbat, tu dois te soucier de le mettre suffisamment tôt pour qu'il ait le temps de commencer même à griller dans la partie inférieure qui est collée à la paroi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Goldou, c'est là.